signes que l'on ne comprend pas parlent-ils par leur dessin même? Les signes que l'on croit connaître n'ont-ils pas plusieurs sens? Qu'est-ce qui nous alarme dans un triangle? L'abstraction lyrique est à la fois le langage le plus civilisé et le plus primitif. Pourquoi? Le plus civilisé parce qu'il s'inscrit au terme d'une évolution absolument inexorable de 20 siècles de sensibilité et de culture occidentale. Inexorable parce que l'histoire de l'art n'est au fond qu'une série absolument irréversible de libérations successives. Ainsi, l'impressionnisme, qu'est-ce? C'est la libération du réalisme photographique. Le fauvisme, la libération du réalisme de la couleur. Le cubisme, la libération du réalisme des formes. Et l'abstraction géométrique, c'est la libération du réalisme tout court. Quant à l'abstraction lyrique, c'est la libération de toutes les esthétiques antérieures. Georges Mathieu très vite eut souci de comprendre son aventure et de la nommer l'abstraction lyrique. L'abstraction lyrique, c'est un mouvement de peinture qui est né en 1947, qui fait table rase de tout l'héritage gréco-latin, de 40 000 ans d'activité artistique. C'est une façon d'être aussi. C'est la volonté de s'oublier pour être. C'est beaucoup plus qu'un mouvement de peinture. C'est presque une morale qui met le risque au cœur de l'homme. C'est aussi l'introduction de la vitesse dans l'art. Il y a deux voies à suivre simultanément, dit Georges Mathieu. Continuer d'inventer des nouvelles formes d'expression, puisque c'est le destin de l'art occidental, et tenter par tous les efforts de faire pénétrer l'art dans la vie. Ainsi, ces affiches se font-elles poèmes pour tous et papillons. Le Canada, le noir des plumes des Indiens, le bleu des oiseaux, le blanc de la neige, un grand frisson rouge. L'Allemagne, la majesté d'une symphonie de Beethoven, l'aigle traditionnel, l'universalité de Goethe, l'or et le noir, également couleur traditionnelle, la nostalgie du gothique. L'Espagne, l'or et le noir, l'austérité, le triomphe du tragique, le Mexique, le rouge des sables brûlés et des terres cuites, les couleurs polychromes des totems. La fête ici est une conversation avec la mort. L'Égypte, le noir des secrets et des souterrains, l'or somptueux des pharaons, le bleu fabuleux des bijoux. Les États-Unis d'Amérique, les couleurs du métal et de l'électronique, un avenir vertigineux. Le Brésil, toutes les couleurs du carnaval, un grand rassemblement de toutes les énergies pour une fête suprême.
Peut-être parce que tel est pour nous aussi le cheminement de notre révolution, qu'il nous faut accomplir notre ouvrage et réinventer le monde seulement par bonne foi, sans rien savoir avant de ce qu'il doit devenir, sans rien savoir avant de ce que signifie le moindre geste que l'on tente et que l'on prolonge pour vivre et pour survivre. On ne fait pas le portrait d'un artiste. On l'approche à peine.